Vaccin et bandagi lobby. Vaccin et bandagi lobby. Opération vaccin et bandagi lobby. Nakatia clinique universitaire. Mais à notre grande surprise, Total Aboué, Fatih Béton Zate. Total Aboué, docteur Mouyembe Azate. Population Balini Bayeba. Pour Nanini, Fatih Béton Azalakite. Docteur Mouyembe Tanfoum Azalakite. Ton cher ami téléspectateur, cette question-là a divisé la classe politique. Beaucoup plus de gens ont commenté l'absence de Fatih Béton dans le monde pour que d'été. Fatih a qui m'a qui vaccin, tout est un empêchement. Vous allez le découvrir dans cette émission. Très cher ami téléspectateur, l'autre monde, comment est-ce que Albert Ayouma qui sort de son silence? Albert Ayouma, le grand voleur, il sort de son silence. Albert Ayouma s'est vu aujourd'hui que non, eh, ma kale komi pembeni, tikana dénoncé, tikana yanola, tikana manyola, tikana bimisa. Albert Ayouma a cancé le roi que non, Kabila ko tikalara éternellement la pouvoir comme les pensées d'autres kabilistes. Aujourd'hui, les données ont changé. Aujourd'hui, je peux dire que non, bah, te belé, bah, comme surpris. Bienvenue à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Merci pour votre fidélité. Merci pour la confiance. Merci pour battre vos âmes, mec. Beaucoup d'absolus partout à travers le monde sur votre chaîne de proximité RDC Monde Télévision. N'hésitez pas, comme je dis toujours, de vous abonner massivement, de liker, de partager, de commenter nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir. Alors, comme d'habitude, chaque matin, chaque jour, sur votre chaîne de proximité RDC Monde Télévision. Mais toutefois, avant de continuer, avant de commenter, avant d'analyser nos questions d'actualité politique, je vous laisse un peu suivre l'appel, les messages de Mme Pauline Lumumba, la présidente de l'association internationale RDC Monde. Juste après Mme Pauline, on va encore rentrer pour décortiquer nos actualités politiques. Restez branchés et suivez. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Maman Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bande konanga kotonga mboka esengika bolingo bino moko bomoni transparence to laxibino kote mbongo moyibe yate lokuta pe ezate alors boya to sangana to tonga mboka na biso le grand Congo. Merci maloba ya présidente RDC Monde Pauline Lumumba à Genève. Oui, très chers amis téléspectateurs, au sommet, je vous ai parlé sur l'absence du chef de l'État dans la campagne, il y a vaccination, vaccin, il y a COVID-19. Oui, ben, il y a un lobby, docteur Teni Longoundé était là présent. À Jacques Vaccin, le Ling et le Moubani avec quelques diplomates. Nous avons vu l'ambassadeur de l'Union européenne, lui aussi, à son tour, il a été vacciné. Alors, les questions maintenant, la question des maires, là où nous avons pas compris l'absence des Fatih, l'absence des docteurs Eteni Longoundé et du docteur Mouyembe, excusez-moi. Pourquoi les gens parlent des Fatih? Parce que sous d'autres signes, nous avons vu, ce sont les chefs d'État qui ont commencé en premier d'être vaccinés. Nous avons vu, par exemple, dans Brazzaville, Sassou était là, Tomouni encore une fois de plus dans Rwanda, Kagame était là. Pas mal de pays dont leurs chefs d'État ont commencé d'abord, bon, on va dire, c'est on a les bossures pour jouer au vaccin. Mais arrivé au Congo ici, tout à la boue, oh, et tel est le monde. Tout à la boue, oh, Fatih Azati, oh, bah, tu as mis tout, mais Fatih Azati, Fatih a été comment? La question là divise l'opinion, divise même la classe politique. Mais hier, si nous avons vraiment une bonne mémoire,
Le président somalien était là ici, était ici en RDC. Et entre la diplomatie et les vaccins, le choix est clair. Fatih, hier, il était censé recevoir les présidents somaliens en visite ici en RDC depuis avant-hier soir. Alors c'était la raison, je peux dire ça, primordiale de l'absence de Fatih na Katia, la campagne de vaccination. Il n'y a pas quelque chose où le chef de l'État va accueillir Kubanga. Même s'il faut bricoler les vaccins pour savoir où on a tenu tout le monde par-ci par-là, le chef de l'État n'a pas ça. Mais ce qu'il a quitté, justement, c'est parce que, il y a un président somalien qui était en pleine visite ici à Kinshasa. Et imaginez-vous que non, il devait laisser le président somalien là pour aller vous satisfaire, vous là les Congolais. Vous critiquez l'internet qui fait qu'il y a un vaccin parce qu'il y a bien un vaccin. Maintenant, il devait sacrifier un diplomate, son homologue président, et actuellement aussi Fatih, il est le président de l'Union africaine. Il devait, je vais dire, saboter, laisser ce président-là seul, dans entretenir directeur à cabinet hier à la Wanate. Non, comprenons un peu les choses. Je vous avais dit toujours, et puis j'ai dit toujours dans chacune de mes émissions avant. Lorsque Fatih a été élu président de l'Union africaine, je vous ai toujours dit que non, le Congo et Koyamba, président sorte dans sorte. Il y aura beaucoup plus de présidents qui vont passer ici, justement, parce que notre chef d'État, il est l'actuel président de l'Union africaine. J'avais déjà dit ça. J'avais déjà même prédit ça. Mais pourquoi les gens ne comprennent pas? Pourquoi les gens cherchent le diable là où on ne peut pas chercher? Donc vous allez comprendre que non, c'est un faux débat. C'est un faux débat de dire que Fatih a fui. Non, c'est un faux débat. Parce que la diplomatie prime. La diplomatie prime. On ne sait pas ce que nous, le Congo, on peut bénéficier de la Somalie. Et on ne sait pas aussi ce que la Somalie pourrait bénéficier de notre État, la démocratie du Congo. Surtout beaucoup plus sur les enjeux politiques actuels où Fatih a été présent à l'Union africaine. Donc la vaccination est silencée. On a été lancement officiel. Mais Fatih aussi, on peut dire d'une façon bien d'une autre. À cause de l'OP, c'est pas dit que non, il était. Au sort aussi, c'est pas dit que non, il devait être là, obligatoirement, pour vous satisfaire. Bande Robalandi, parlons un peu. Il y a M. Israël Mutombo, journaliste engagé. La semaine passée, Azali Kibongo a invité Nakati à Loko et Aner. À Kekuna, Boulanda qui va vidéo na Epinenga explique qui. Akekuna, tout. Bon, auditionné pendant au moins 5 heures du temps dans Katsa Balogwa Aner. Et après, Aeko Bima, comme d'habitude, parce qu'il a été interpellé et non arrêté. Alors, les mêmes journalistes encore, depuis, je crois bien, avant-hier, ou soit hier, ou soit la semaine passée, a joué sous invitation, il y a parquet, tribunal de grande instance, Kinshasa Gombe. Et convoquer Moutouana, monsieur là, ce journaliste là engagé, Israël Mutombo, Oboyebi. Je peux dire que non, le célèbre journaliste est pour le moment avec son émission Bosolo la politique. Mais qu'est-ce que lui est reproché, monsieur Christian, monsieur Israël Mutombo? Et là, on n'y va qu'au reprocher. Beaucoup de gens pensent que non, c'est parce qu'il a dit que non, oh non, bah, soldat, bah, j'aurai $20. Non, là, c'est un faux fouillant. Là, c'est un faux fouillant, très cher ami téléspectateur. Moi, je ne suis pas dans les services de l'ANER pour savoir Eloni Bazako, Eloni Bazako reproché à M. Israël Mutombo. Mais je voulais vous dire que non, ce que se raconte aujourd'hui, oh non, c'est parce qu'il a dit que non, ma police va avoir $20. C'est une fausse information parce que tout le monde connaît que non, les militaires sont mal payés. Non, il y a bien mouti. Et le Kwande Bokangilango Mouti, non, il y a des dossiers peut-être sombres. Il y a des dossiers peut-être d'Amoulili au Nganabino pour éviter. Parce que là, il y a déjà d'autres personnes qui relèvent, qui rencontrent ça déjà dans, sur les réseaux sociaux, que non, Monsieur Israël Mutombo aurait pris une somme d'argent provenant d'un leader politique. Soit l'ANER à la conversation téléphonique entre Israël Mutombo et un leader politique, justement, Israël Mutombo qui a réussi une mission de boycotter, soit de saboter, de dire en contradiction tout ce que le chef de l'État est en train de faire. Vous allez voir l'autre fois, Christian Bosembe qui a
cité, pas seulement cité, mais qui a dit cette phrase-là. Qui est beaucoup à Bonga, qui est un peu comme ça, qui est l'autre côté, qui est un groupe de journalistes, et bien sûr, un bon, tout, tout, tout. Là-bas aussi, Jean-Marie a Yambaki, Pierrot Louara, Pierrot Louara aussi a Wangani, et tout, tout. Donc, ils en ont donné, moi, ils ont ébellé par rapport à ça. Mais jusque-là, Bosembe, pardon, excusez-moi, jusque-là, Sango est toujours innocent. Parce que la vraie version, la bonne version, il y a interpellation à Elilo. Ils ont ébanalité. Mais moi, je voulais justement dans l'ongola bino la moutou bande au balandi. C'est que les gens pensent qu'ils n'ont pas ce qu'il y a à l'ouagi pour nous voir sur $20. C'est une fausse information. Qui ne le sait pas qu'aujourd'hui, à Kinshasa, les policiers, soit les militaires, demandent de l'argent na batunandi là. Là, il y a bien moti. Est-ce qu'ils ont un mot de bonsoir, il y a une perception pour tout le monde grave. Hein? On doit changer un peu notre façon de voir les choses. Tout le monde a dit que non, les militaires ont beaucoup plus de guerre, excusez-moi les termes, ils ont handicapé. Ils ont une maison, une boutique belle pour demander de l'argent. Ce n'est pas une chose nouvelle. On les vit, on les voit. Ils ont une bongo, ils ont bien goûté. Qui ne sait pas que les conditions de nos militaires là-bas à l'Est, ils ont quitté côté. On les sait. Donc ce n'est pas à Mutombo de dire ça pour moi que non, ils ont un mot. Déjà, ils ont un mot à cicaté. Et ce n'est pas ça aussi la cause, la vraie cause. Oui, bah, c'est qui, monsieur Mutombo Kuna. Donc, que personne a tabulé à Mutombo information à la pamba pamba, on a très cher ami téléspectateur. Mais le long encore, bah, si ces journalistes-là, ils ont Mutombo, moi personnellement, je demande aussi à mes collègues, à mes confrères journalistes d'être là, dans Katia Parquet. Mais. Je ne crois pas que Israël Mutombo va rentrer aujourd'hui un homme libre. Je ne crois pas. Là, ils analysent l'angage, ça n'engage que moi. Parce que comment expliquer, l'année vous convoque, on vous libère, et pas même une semaine, c'est maintenant les parquets, soit les tribunaux qui vous appellent encore. Et Oya, Obima. Non, je ne crois pas, je ne pense pas. Mais prions les bons dieux, parce que c'est notre confrère, prions les bons dieux, qui est Abima, Azon, un homme libre. Mais moi, personnellement, je ne crois pas que non, ce monsieur-là, à Kozonga Lelo, un homme libre. Parce que je peux dire ce que Kamer avait dit, que la messe a été déjà dite, et j'ai conscientisé ma femme et mes enfants, je les vois déjà en Israël, Mutombo, Sorwana. Donc, je ne suis pas de la justice. Mais juste étant qu'analyste, j'analyse les faits. Je ne suis pas juriste, mais j'analyse les faits. J'analyse ce qui se passe. Parce que ceux qui ont eu analyser, qui ont eu tirer ma conclusion, dommage pour vous. Il faut voir. On a mis sur le monde, on a mis sur le monde. Parce que moi, dans le biango, il y a des dossiers noirs où on a reproché M. Mutombo. Ce n'est pas parce qu'il a dénoncé que les militaires bah, auraient 200 $, 20 $, pardon. Ce n'est pas parce qu'il a dit que non, couvre-feu, bah, conseiller, non. Ce n'est pas ça. Il y a d'autres choses. Ce n'est pas ça, très cher ami téléspectateur. Parce qu'il n'est même pas le premier à le dire. Jean-Marie Kassamba, d'ailleurs, il irait à Bimisabablo rebelle. Pierrot Louara, d'ailleurs, Bimisabablo rebelle. Mais est-ce que Pierrot est déjà inquiété? Est-ce que Pierrot est déjà inquiété? Donc, vous allez voir, très cher ami téléspectateur, qu'ils ont l'amour de Babylon Moussousou, ils allaient cacher derrière invitation, il y a M. Wana Israël Mutombo. Alors, le lot, Nabino Tolandi, émission, il y a M. Wana Albert Yuma. Ah! Na Congo, ils ont l'abattu Basila Sony. Na Congo, ils ont l'abattu Ndoki, ils ont courage. Albert Yuma qui a fait une émission et qui dit. Clairement, que non, les minéraux du Congo sont gérés par les entreprises européennes, soit occidentales et chinoises. Que non, en collaboration avec la Banque mondiale et les Fonds monétaires internationaux. Waneza Maloba et Bimina, président FEC, Fédération des entreprises du Congo. Fédération des entreprises du Congo. C'est le président du FEC qui dit ça. Un Congolais qui dit ça. C'est grave.
Mais on se pose la question. Depuis que le jour où on a signé ce contrat-là, lui étant que présent, il fait Kazalaka Wapi. Parce que ce genre de contrats sont signés à l'époque il y a Kabila. Lui, Yuma, il était là comme étant président FEC. Il était où pour dénoncer? Aujourd'hui, M. Yuma vient à la télévision pour dénoncer. Il veut faire croire aux gens que non, lui, il est innocent, que lui ne connaît rien. Mais non, tout ça, ça passait par lui. Ce n'est pas pour rien que Kabila tenait mordicus que Yuma soit toujours le président de la FEC. Nous sommes ici, paf, tout à la boue, Yuma Kendagi déjà, Yuma Zongi, validé par son tribunal, son conseil d'État, je ne sais pas, mais Yuma Azongi. Mais Yuma connaît cette affaire, Yuma connaît la passation de ces marchés. Comment est-ce qu'on a cédé les minéraux congolais aux Chinois et puis aux Européens? Yuma connaît, Yuma était là. Aujourd'hui, on ne peut pas croire à Yuma. Très cher à mes téléspectateurs, ne croyez pas à Yuma. C'est un menteur. Oui, c'est un menteur. Yuma, vraiment, il est Yuma, solo. Ah, Yuma. Facha Yanke. Yuma, quand il sait qu'il aura que non, il y a un zabongo. Ah, Yanke. Non, ah, Yuma. Comment on a fait pour Yuma? Mais écoutez, la mouta, ah, Yanke, béton. Yuma a mis déjà la porte à prison, boye. Yuma a mis la porte à prison, boye. A mis moni, n'est pas à côté à prison. Yuma, n'est pas à prison. Les gens comme les Yuma, on ne doit pas les laisser comme ça. Afandi, à comme la milk à l'aise, à comme la champagne, na bananaye, na moissinaye. Non. Ce sont des gens qui doivent aller là-bas en prison, na makala. Ba comme ba habitant, un Selembao, ba voisin, ya Vital Kameri. Yuma veut nous expliquer que non. Mais non, mais non. Ba contrat nyon sur les cani entre la main de Yuma. Le Yuma allait à la télévision pour dire que non. Il veut maintenant jeter Bamabe Nyon sur la moto à Kabila. Mais Kabila ne travaillait pas seul. Ce n'est pas pour rien que Kabila a obligé. Soit Kabila voulait que Yuma soit toujours là. Yuma aujourd'hui a l'air boire qu'à Nyon sur la moto à Kabila. Ce qui est déplorable. Ce qui est déplorable. Bah, Congolais Nyon sont maintenant bah, la vérité. Botala, comment est-ce que Mboka est Kobonga? Tant que les Occidentaux et les Chinois, bah, ko kamba ba minerai na biso. Comment est-ce que Mboka Kobonga, lorsque nous-mêmes les Congolais, nous avons exploité les sources ba minerai na biso te, ce sont maintenant d'autres personnes qui viennent ici pour exploiter nos minerais dans notre pays, dans notre sol. Très chers amis téléspectateurs. Et puis on envisage que nos budgets mata. Comment est-ce que le budget mata? Tant que nous, et tant que pays exportateurs des matières premières, soit des minéraux, donc, vous avez exporté sous terre, ce sont maintenant les Occidentaux et les Chinois qui sont devenus les intermédiaires. Là, maintenant, vous allez voir que non, notre économie est bongatée. Notre économie est bongatée. C'est pour cela, vraiment là, FMI est petit don à tel. Bangoné est petit don à tel. Bangoné a mis ce qu'on a rendu par Okozongisa. Bangoné a mis ce qu'on a rendu par Okozongisa. Bangoné a mis ce qu'on a rendu. Là, maintenant, toujours côté Katanga. Mais surtout côté Est. Là où ils ont créé des guerres, là où ils ont créé des rebelles, nos frères, nos mères, nos soeurs sont violés, sont tués. Très chers amis téléspectateurs, ça fait mal. Pour notre sol, pour la Bamboumengonabiso, mais Togo Koufa, Togo profiter d'Angoti, Baminele Bakoulia Bakoumila. C'est pour cela qu'il est juste l'élo ambassadeur à l'Italie à Zawapi. Peut-être que Zara a débit, le loup ambassadeur à l'Italie à Zawapi. Il est où? Il est où? Donc, ce sont des choses où le temps où Yuma lobby, le procureur général de la République devrait inviter Yuma. Devrait se saisir du dossier directement. Les services de renseignement devraient se saisir du dossier directement. Et Mme Mouzelaté, c'est osé, trop osé, longtemps. Parce que, elle nous a donné mon goza, ils en ont une fraîche. Je crois bien beaucoup d'entre nous, dans la vidéo, on est tambouli déjà. Et le mot, il faut bien interpeller Yuma Mbala, mon quoi. Les procureurs à la tête. Tout le monde a dit non. Parce que, comment est-ce qu'on peut céder nos minéraux entre les mains des étrangers? Ça fait mal, très cher ami des spectateurs. Ça fait mal pour Nabiso, Bandeko Nabiso, ça fait mal. Pour citer, on parle. Il y a critique, il y a Kinkaya Bin Karoubi, ancien conseiller diplomatique, il y a M. Kabila,
Kinka et Bin Kaboubi aussi qui est maintenant là, je peux dire garçon de course de Kabila, porte mallette de Michel Kabila, qui a voulu juste comparer la gestion de Tien Tshisekedi à la gestion de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kinga Ebin Karoubi qui se pose la question pour dire, mais comment est-ce que même les produits locaux, les prix augmentent? Les mamans maraîchères, les matembelebi tekutekou, les mposés, tout comme ça, les produits augmentent, les prix augmentent de ces produits-là. Il se pose plusieurs questions quant à ça. Et puis il dit que non, oh, mais à l'époque de Titi, à l'époque il fait encore premier ministre, on a vu comment est-ce que à Kitisaka dollar. On a vu comment est-ce que il a rendu la monnaie congolaise susceptible, facile. Il a augmenté le pouvoir d'achat des Congolais. Donc l'économie était un peu stable à l'époque de Tshisekedi. Mais comment est-ce que Félix n'arrive pas à le faire? Monsieur Kinga Ebin Karoubi, peut-être que vous n'êtes pas économiste. Oui, c'est normal aussi. C'est un Congolais qui doit faire des déclarations. Il doit faire des déclarations et que ça l'aille bien. Mais ce monsieur-là doit savoir que ce sont eux, les AFDL, qui ont hérité les pouvoirs, qui sont venus chasser Mobutu, qui dirigeaient mieux que Bango. Aujourd'hui, si nous avons cette souffrance, c'est grâce à Mouzé. Les AFDL, ils ont été venus à Mouzé et Bokundi. Kabila fait tout ce qu'il a fait là. Félix est venu. Félix a quitté le dollar parce que ça moins là Etienne parce que Etienne à l'époque a quitté le dollar. Mais à l'époque de Mobutu, il y avait une production locale. Kabila a laissé quelle production locale qui va permettre à Fati de quitter le prix. Kabila a laissé quoi comme étant réserve le loto qui va s'écrire à Yuma. Lorsqu'on dit que non les prix ont quitté, mais c'est grâce à la production. Aujourd'hui Fati a banni Colonna. Abandonné qu'au produit. Maintenant, on doit attendre dans une année, deux ans. On aura mené un bon résultat sur les prix. Parce que lorsque nous produisons ici, les prix aussi sont équitables. Mais lorsqu'on ne produit pas, lorsqu'on importe trop, vous raisonnez que le produit est équitable. Donc, Kinkaya, je peux dire que non, parfois il se soulage lorsqu'il critique Fati. Parfois il se détend. Il se. Azalara bien soit critiqué Fati. Donc je lui ai déjà compris. Bien vous comprendre, très cher ami téléspectateur. C'est comme ça. Donc, Isa Bongo, Isa Batmo et Agolandate, parce qu'il va foudiroi, porter mallette à Kabila, Kinka Ebin Karoubi. Très cher ami, élection aujourd'hui, élection au niveau de la Cour constitutionnelle. On va terminer par là. Élection au niveau de la Cour constitutionnelle. Pour la présidence de cette cour, alors il y a au moins quatre candidats à la présidence, dont les plus célèbres c'est Dieudonné Kaluba Dibois, il y a aussi monsieur Évariste Funga, il y a aussi monsieur Jean-Pierre Mavungu, Dieudonné Kaluba, j'ai déjà dit, ainsi que monsieur Corneille Kassenga. Donc ce sont là les quatre candidats dans la course. Il y a présidence, il y a cour constitutionnelle au Ezabongu Lelo le 20 avril 2021. Donc, vous voyez, ma présidente cour constitutionnelle à Sika. L'autre fois, si vous n'avez pas oublié, le chef de l'État avait déjà réussi. Il y a 9 juges à cour constitutionnelle à Sola et Nabango. Et là, il y a un peu le lundi, élection, le lundi, ma ponamito, côté la Bango, il y a un salaire. Et pour chuter vraiment, il y a un ministre qui sait qu'il y a un avion. Il y a un ministre qui débarquer qu'il y a un avion. Il y a Kim. Le ministre qui a Kim qui tient un avion. Donc, il y a un ministre qui a Kim. Il y a un ministre qui a Kim. Un ministre qui a vous avez un ministre qui a Lui, on va commenter, vous commentez. Soit vous avez besoin de ce que le ministre a commenté, on répondra à commenter. On a besoin de comment ministre a Kimaki, ou à Kimana, va Kitisie, Babio, papa Kima, ou à Mukamate, Zonga, voyo. Va Kitisie, donc soit vous avez besoin de comment ministre a, écrivez-nous sur les commentaires. Je vais vous répondre par les commentaires. Et puis, comment ministre a Kima, va Kangé, état de droit. Moïse ministre a Mouyibi Mounene. Aki na ministère mobuana ezala eyebani
Ils ont moi mouké moi mouné mais grand mouillé bi ces ministres là. Un qui m'a dit bah service à renseignement bec quoi papa zongo qui va oh moni t'es papa zongo. Merci beaucoup à vous tous, très chers amis téléspectateurs. C'est ici qu'ils mettent fin à notre émission d'aujourd'hui. Restez toujours branchés sur votre chaîne de proximité RDC Monde Télévision, votre temple de réflexion. N'hésitez pas à les commenter. J'attends vos commentaires, très chers amis téléspectateurs. N'hésitez pas à les liker, les partager. Nos émissions, c'était Rems Mambala, présentation de votre humble serviteur. Donc, t'as une balle à la prochaine.